sa femme qu'on salue évidemment. Ça va être très très cool. Bon, il n'y a pas de zéro effectivement, mais en tout cas ça donne un petit côté, un petit style, tu vois. Voilà, pour l'instant on va faire semblant que c'est un choix artistique. Un choix artistique parce que nous, le zéro, qu'est-ce que ça représente? Le zéro, ça, voilà. Ça représente la nullité. Alors que les joueurs sont juste bons. On n'a pas besoin de mettre de zéro. Exactement, le zéro n'existe pas. Donc le match va bientôt commencer, il va commencer tout simplement, et je n'ai pas vu la map, mais quelle erreur de caster, quelle erreur. Donc je pense concrètement, déjà ça va pas se jouer sur Battlefield, non, clairement ça pas. Va choisir du coup Holo Bastion, donc un choix de plus en plus populaire, hein, Holo Bastion, depuis qu'on l'a ajouté à l'overlay, au ruleset. Au ruleset, exactement, oui. Je vois quand même pas mal de matchs se faire dessus, alors qu'au début les gens étaient un petit peu sceptiques quand même. Oui, je disais oui, mais Smash vite, c'est quand même sympa, c'est petit, je peux tuer à 2%, franchement vous êtes relou. Concrètement, je trouve que Holo Bastion, ça, c'est vraiment une map très très neutre, où vraiment tous les personnages peuvent donner leur style, leur playstyle et jouer là-dessus, donc franchement c'est une bonne map. Et pour l'instant, on a un Shunks qui est à 91%, il était en face d'edge, c'est dommage, le side B pour cancel un peu le fer, pour mettre un peu cette pressure au niveau du corner, excellent Bakir pour choper ce side B in, et là regarde-moi cette pression que met Shunks, t'as pas envie de te retrouver au ledge. Ouais, quand même le B qui va cross up le shield, mais à part ça c'est vraiment un mur de hitbox que nous propose Shunks. Mais le up B nature comme ça, qui dit voilà, il voit l'ouverture, il court, il fait son petit backflip. Aïe aïe aïe, ce up smash qui est terrifiant, mais bon, on se retrouve quand même avec un Fox à 102%, donc on sait qu'après une petite praline en back air en bord de ledge, c'est terminé, hein, c'est terminé. Exactement, exactement, mais là les pourcents, voilà. Qui commence à bien poser son jeu, la phase à 54%, c'est un peu le passage obligé quand tu joues contre lui, que tu joues à 0%, tu sais que tu vas prendre la sauce, mais le backer. Et le petit backer en punish, là il a vraiment bien retreat pour récupérer ce stage control, le backer pour couvrir cette zone, et ça a permis de prendre cette première stock. Mais bon, il a déjà emmagasiné maintenant 91%, on se retrouve à l'edge. Mais bon, quand t'as pas envie de te faire l'edge trap par Fox, parce que ça a énormément de mix-up là-dessus, sachant que là, le chip qui est forcé bien sûr, et il le sait très bien Kid. Le nerf qui a descendu très très loin, on était peut-être un peu présomptueux là-dessus, mais on arrivera quand même à remonter. Okay, et là il faut capitaliser. Aïe aïe aïe, t'as vu quoi sur cette pressure que Mickey de là au niveau du ledge. Il arrive vraiment bien à emmagasiner des pourcentages et à juste bien conditionner son adversaire à ses options qu'il a envie de mettre en place. Par exemple, petit double saut et petit tomahawk pour choper un petit grab, tu vois, genre c'est plutôt exactement sympa. Et ensuite, quand il a bien conditionné son adversaire après cette grab, et ben il va vraiment choper genre ses clips confirm style le bâton. Oh, l'attaque est ratée. C'est dommage, le side B pour couvrir ce ledge hein, du côté de Shunks qui a pas connecté à cause de ce up B, c'est dommage. Il est juste descendu un tout petit peu trop bas, il s'est brûlé les pieds tout simplement. Il s'est brûlé les pieds, il a les sacrées ampoules mon gars, on croyait qu'il est parti en Corse. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas le fer, le petit pari, il a déjà fait. Et là on arrive bien à éviter la passe quand même hein. Ah bah oui, là on essaye de rentabiliser un peu la phase, on a mis 44%, ça va choper le landing peut-être, non ça a reset. Oh là 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 là, mais cette pression que mes kids, regardez ça, cette couverture repère, c'est dommage. Là il faut tuer du côté de Shunks parce que là, si tu laisses libre le petit kid, à tout moment il va te mettre des petites dingueries comme on aime. Bien joué ce B pour couvrir ce side B. Oh là là, dans les chicots, c'est ça qu'on aime. Très très bien joué de la part de Shunks, on se trouve au stage, attention, est-ce qu'on va tenter quelque chose de la part de Kid? Non. Oh, oh non, oh non, oh. Ça va chercher le nerf, ça a failli le faire, peut-être le nerf en spike, non, mais Shunks peut peut-être ce downtill, non, c'est dommage. Et Shunks qui a repris du poids de la bête, il lui a dit, mon gars, moi je suis pas sûr de faire la dash attack, double jump upper. Il a jamais couvert cette ligne de jump. Il a sauté, il a fait, mais mon gars, je suis dans ta tête, tu vas sauter. Oh là là, regarde, petite face, ça reste en bas, petite paire pour mettre la pression, il a un petit saut. Oh, mais tiens, la dash attack, elle connecte sur rien. Ben non, elle connecte sur le paire. Avec tellement d'avance. Bah oui. Et c'est déjà 1-0 pour Kid, pour ce BO3, c'est un BO3, c'est pas un BO5. C'est BO5, tu peux... Monsieur le régisseur, on applaudit tous Nergy dans le chat. Ouais, Nergy, ouais. Excusez-moi, bien sûr, j'essaie de faire les spectateurs. On pense pas forcément à mettre à jour ça, vu qu'on ne peut pas le set sur Smash GG de... Oh pardon, Star GG, excusez-moi les... Le Star GG, excusez-moi. C'est vrai que nous, maintenant, on est des boomers qu'on va dire Smash GG, ouais, quoi. Et voilà. À l'époque, j'ai connu le Vietnam et Smash GG, quoi, c'est des moments tard à l'époque. Maintenant, on a Star GG, bah c'est pareil, c'est à la Gotan. C'est à la Gotan. Et là, ça a choisi TF, donc concrètement,
j'aurais vraiment pas fait ce choix, je pense, contre Fox. Parce que Fox est vraiment très très... Enfin, il adore ce terrain, quoi. Parce que les plateformes qui étaient censées l'aider pour Shunks et, on va dire, varier en fait son drift au niveau de ses avantages, n'y sont plus. Et donc, du coup, on va avoir un Fox sous coque qui va juste courir. Comment tu redescends contre lui? Et non, tu peux pas, t'es littéralement un ballon de plage, quoi. Il lui a bien fait comprendre, il lui a déjà pris une stock de manière si rapide. Très autoritaire. Exact, exact. Qui ne va pas se laisser abattre quand même, hein. On trouve les petits backers. Oh, le side B, probablement un missile boot qui va mener à une belle phase. 58%, ça fait vraiment mal de prendre ça sur un missile boot. Enfin, j'imagine. Ah, oui, non, en effet, tu imagines bien en tout cas Twill. Parce que bon, il lui a bien montré que les phases d'avantage, c'est un peu sa cam du côté de Kid. C'est ça qui est vraiment très fort sur ce joueur. C'est que déjà, il arrive super bien à conditionner. Oh son... Non, non. Ah, je crois qu'il pouvait même pas remonter, hein. Le backer l'a mis dans une éjection. Non, là il a fait la DI parfaite pour éviter de se faire combo, sauf qu'il s'est pris un kill move. Et il s'est envoyé lui-même vers la mort. Ah ouais, mais là ouais, c'est vraiment là le choix de terrain qui va être crucial, je pense. Il est si loin, what the fuck, ok. Ok, ce backer, on a pour l'instant un Shunks qui va essayer de trouver quand même peut-être sa première stock. Mais Kid, lui, n'est pas de cet avis, lui met une pressure au ledge. Il ne le laisse pas passer. C'est même pas vraiment des combos, c'est juste, je vais te mettre un petit nerf, je recule un petit peu, tu fais quoi, je m'en fous, je te barre d'autre nerf. Et ça recommence. Et il fait ça depuis la première stock. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir des flashbacks au collège quand je me faisais bouler aux toilettes. Exactement. Vraiment, ils y vont à plusieurs, ils me cassent la gueule, le nerf, encore une fois, tentative de backer. Il attend. Oh, okay. Enfin, échec, ce qui pourra peut-être un peu respirer, mais bon, là il y a deux stocks, on a un renard sous coque. Sachant que regarde, là le gros problème sur ce match-up, c'est clairement Fox, lui il va s'en battre les steaks. Oh, il va s'en battre les steaks du shield de Cloud. Il va faire un air, il va dire quoi, t'as des options entre shield, le pi, mais je m'en fous en fait. Parce que moi le plus rapide, moi je veux juste genre. En fait, là c'est même pas une question de shield. Il a juste dash, hop, smash. Non, mais surtout, il s'est pris un side B. Et ça a trop combo, il peut lui casser la gueule. Ah ouais, non, mais le truc c'est que le Sabi, tu vois, il éjecte pas assez, surtout à 0%. Et là on a un Fox qui est genre premier fast faller du jeu, qui va vite tomber au sol. Et donc du coup, le désavantage n'existe plus. Il est au sol, il peut déjà agir. Exactement, exactement. On a vu un petit saut de Shunks pour essayer de capitaliser sur le Sabi. Parce que comme tu l'as dit, ça n'éjecte pas. Contre un fast follower, la punition est immédiate. Ah ouais, mais là clairement, je pense que c'est le terrain qui a vraiment fait faux bond, hein, pour ce match. Là, on va pas choisir DF contre le renard enragé. Et là, ça a choisi Town End City. D'accord, Town End City. Alors, un terrain... Concrètement, bon, le terrain est, on va dire, beaucoup plus avantageux pour Cloud. Parce qu'il a ses plateformes pour vraiment pouvoir mix-up, pour vous dire, au niveau de ses déplacements. Et clairement, on va lui donner plus de chances de tuer rapidement pour Fox. Parce qu'on va dire, un peu son problème, c'est à part au niveau de ses setups. Quand il a plus ses setups, le bon Fox, il peut plus trop tuer. Et pour l'instant, je crois qu'il sort. Ah, bah oui, bien joué ce mix-up avec ce DR et Shunks qui va commencer à l'agresser au niveau de cette plateforme. Il est plutôt bien avec ce fer, il arrive à emmagasiner et mettre pas mal de pourcentage. Le B out of shield plutôt bien, et là cette phase à 93%. Il est si rapide avec la limite, ça fait peur ça, même quand t'es Fox. Et voilà, le CP qui ne va pas tuer, on était tellement loin de la blast zone évidemment. Le nerf, oh, petit grab après le nerf, on se fait plaisir du côté de Kid. Tentative, peut-être qu'il va peut-être chercher un autre backer du côté de Fox. Excellent. Attention à Cloud à ne pas se retrouver trop près de la blast zone sur cette plateforme qui peut être très dangereuse. Le strap de Kid qui va encore une fois faire son effet. Oh là là, une très bon atterrissage de Shunks. Et voilà. Et Shunks voilà qui a essayé un peu de s'éloigner de son adversaire en se passant sur cette plateforme. Mais cette plateforme qui est terriblement près de la mort et ça s'est fait punir. Mais on arrive quand même à capitaliser sur les pourcents qu'on a mis en première stock. Exactement. On remet even. Exactement, tout ça se rend coup pour coup pour le coup. Littéralement, ça s'est balancé backer sur backer et ça a tué des deux côtés. Et là, on a un petit Kid qui va déjà mettre 40%, qui va mettre un peu cette pressure. Mais Shunks qui arrive vraiment mieux à se dépatouiller au niveau de ce ledge. Il lui a quand même mis 42%, 56%. Mais bon, Kid est toujours dans ses bases qui va choper ce petit jab en multi. Est-ce qu'on a déjà vu autant de multi-jab de Fox par contre? Non. Ah oui, mais par contre, le multi, genre vraiment le jab de Fox est très 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 utile. Ça fait, je crois, une bonne vingtaine de pourcentage si vraiment il est au corps à corps. Sachant que le nerf, c'est vraiment un excellent bait pour dire mon nerf il est punissable. Et hop là, le petit jab pour mettre un peu la pression. Donc vraiment un excellent outil de mix-up. Donc très intéressant. Le fer, bien sûr, sur le shield qui va pas être puni. Et Shunks là, il faut qu'il concrétise sur ce ledge là, c'est dommage. Ok, tentative de down air sur cette plateforme. Le wow, le pari qui ne mènera à rien. Le double pari, même qui ne mènera à rien. Eh oui, dommage. Oh
Mais la précision de ce poke sur ses baquets. Oh mais oh, de quoi ça? C'était un B ou un taunt? Non, c'était un... Je pense que c'était une taunt hein, en vrai, hein. C'était ouais. Une petite taunt hein. Regarde-moi ce vilain coquin quoi, qui est en train de humilier son adversaire, mais Shunks, mais voilà. Oh, on le renvoie là-bas, cet enfant là, non d'autos, on ne taunte pas le grand Shunks. Il s'agirait de ne pas perdre maintenant qu'on a sorti la taunt du côté de Kid, ce serait quand même un poil humiliant. Un poil humiliant. Ah non, le Abby, il a préféré pas cancel le backer en entier, c'est propre. Le petit pour enchaîner peut-être un combo, mais non, c'est déjà et terminé. Et Rodolphe très très bien trouvé de la part de Shunks. Regarde-moi cette bagarre au milieu, ça se rend coup pour coup à chaque fois. Mais bon, quand tu te retrouves au close range, et ben c'est sûrement Fox qui va gagner. Et bien, oh mais quoi? Mais il lui a catch son jump, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Will? Oh là 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 là, ça allait tellement vite, ça allait tellement vite. Heureusement qu'on a le voilà le petit replay. Hop là, petit effectivement... Oh la late hitbox du nerf. Il lui a fait une petite tape sur la tête, c'est comme quand ton père, quand tu lui ramènes un 5 sur 20 en histoire géo, tu vas faire hop là. Exactement. T'auras pas de dessert, mon coco. Et ben là, t'as pas de double saut et tu tombes jusqu'à la mort. Exactement, et là on a un kit qui a été impérial, hein, 3-0 contre Shunks. La map de dev vraiment l'a détruit, je pense mentalement. Il s'est dit, ouais, pourquoi pas, les plateformes ça m'emmerde. Mais je pense que les plateformes ça l'aide beaucoup plus qu'autre chose. Et là on a un kit qui a été juste impérial au niveau de son avantage. Il a bien géré aussi son désa. Effectivement, il a très très bien joué sur les plateformes. Hein. Sur la dernière game par exemple, les mix-up qu'il mettait à base de fer, à base de read de tech sur la plateforme centrale. Et surtout les backers sur les plateformes latérales. Ah bah bien sûr, ou même genre. Tu sens qu'il était heureux du choix de son adversaire.